Salut à toutes et à tous, c'est Captain Poupie et aujourd'hui c'est le dernier épisode de la série de Doramadora, les sorciers au sang pur qui deviendront l'impératrice de toute l'Afrique. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu avancé dans le temps parce que je voulais comme je vous l'avais dit, qu'on ait l'éducation de mes enfants qui soit terminée pour qu'ils soient vraiment sorciers au sang pur et qu'on a atteint l'objectif. Donc j'ai passé quelques années. On s'est arrêté en 1271, donc là on est en 1320, où j'ai joué une bonne cinquantaine d'années. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dans les conquêtes. J'ai récupéré toute l'Espagne, la moitié de la France, l'Italie, quelques petites conquêtes au niveau de l'Empire byzantin. Et je nous ai gardé une dernière guerre bien sympathique pour cet épisode, qu'on va faire très bientôt. Alors, au niveau des héritiers, donc on a bien Kaya de Houssa, qui est sorcier au sang pur. Son fils, lui aussi, l'est, et il a aucun mauvais trait. Il est herculéen, génie, magnifique, sang pur, sang consacré, sorcier. Et mon arrière-petite-fille, Dorasum, qui elle est aussi parfaite. Elle n'a pas encore le trait sorcier parce qu'elle a que 4 ans. J'ai pas poussé jusqu'à la mettre elle aussi. Mais donc on a bien atteint cet objectif de sorcier au sang pur qu'on cherchait tant à faire depuis le début. Je vous avoue que quand j'ai commencé la partie, je pensais pas que ça serait lui le plus difficile à avoir. Mais on l'a quand même eu. C'était même bien plus compliqué parce qu'on a fait le cercle parfait en même temps. Donc du coup ça nous a un peu limité au niveau des mariages pour obtenir le trait. On a voulu l'obtenir de manière régulière mais on a dû faire un mariage avec quelqu'un pour l'obtenir. Donc dans cette campagne on a bien obtenu tous les objectifs. On a eu le cercle parfait. On a eu la mère de tous. On a construit l'université de Sankoké. Qu'est-ce qu'on avait encore comme objectif? On a eu les sorciers au sang pur. Donc tout ça s'est très bien passé. On va continuer un petit peu la partie. Donc là on a 80 ans. Toujours en bonne santé mais je pense qu'elle va pas en avoir pour très très longtemps. On va voir ça. Et on va se préparer donc pour la dernière guerre qui va être contre l'Empire byzantin. Pour avoir des belles frontières entre... Ça sera l'Empire romain de Houssa. On aura toute la Méditerranée. Donc pour ça, j'ai passé pas mal de temps à créer des revendications sur le territoire du Basilus. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Donc là, on va déclarer la guerre pour récupérer tout ça. On va avoir une belle frontière. Toute la Méditerranée sera à nous. Et ça va nous faire une belle guerre parce qu'il a quand même 75 000 hommes. Il est allié à la France aussi. Donc on va déclarer ça maintenant. Et on va essayer de faire des belles belles batailles pour ce dernier épisode. Alors où j'avais mis mon point de ralliement? Il était en Syrie, c'est la dernière guerre que j'avais conquise, c'était là-bas. On va mettre notre point de ralliement ici. Entre temps, j'ai aussi récupéré pas mal de d'atouts. Donc j'ai quasiment les deux arbres ici qui sont complets. Au niveau de l'intendance, on est allé jusqu'à administrateur. Au niveau militaire, on a tout l'arbre de stratège. Donc on est plutôt balèze en combat. On va essayer de faire le plus gros stack wipe qu'on ait jamais fait dans cette série. Donc, la guerre a été déclarée. On va lever tous nos soldats ici. On va prendre l'ordre sacré parce qu'il est cool. Hop, on fusionne tout ça. Un bon commandant. Elle est guerrier sainte et organisatrice. Donc ça pourrait être pas mal. On en a 43 qui... Avantage défensif ennemi, traverseur de guet. On va plutôt la garder. Elle est pas mal. On va attendre que les Byzantins lèvent leur armée. Et puis on va les affronter. En attendant, on va faire un petit siège. Notre approvisionnement se réduit déjà, c'est normal. On est au-dessus de la limite d'approvisionnement. Donc ses alliés ont bien rejoint la guerre. On va peut-être avoir quelques problèmes ici avec le français qui va nous attaquer. Mais on va plutôt se focaliser par là. Il est en guerre contre personne, donc il devrait bien nous envoyer toutes ses troupes. On fait les sièges en une fraction de seconde, ça c'est assez impressionnant avec les bombardes plus
Toutes les avantages de sapeur et tout ça. On fait des sièges en 19 jours. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, les 49 000 byzantins arrivent. C'est parfait, on va essayer de les affronter dans un terrain favorable pour vraiment les exterminer le plus possible. J'ai hérité de quelque chose, mais on peut le garder, donc très bonne nouvelle. Voyons voir si on se mettait dans les montagnes, est-ce qu'on arriverait... Hop, ça on s'en moque. À finir ce siège avant qu'ils arrivent. 12 jours, c'est possible. Peut-être qu'on va arriver à les faire nous attaquer dans les montagnes, et là ça serait... encore plus spectaculaire au niveau de la bataille. On va prendre les connaissances du ciel, pourquoi pas. Ok, ils vont vraiment nous attaquer dans les montagnes, c'est parfait. Avec 49 000 hommes plus 7 000 renforts qui vont arriver. J'espère qu'ils seront là à temps pour qu'on puisse bien leur faire mal. Et donc c'est parti. Déjà l'avantage est largement en notre faveur, jour 1. On a plus 53 parce qu'on a les montagnes, avantage de la foi, bâtiment défensif. On est vraiment plutôt pas mal avec nos 47 champions. Aussi 39 plus ceux de l'ordre sacré qui sont aussi certains à 50 en aptitude, c'est vraiment juste énorme. D'ailleurs on peut voir pourquoi ils ont autant. Maître d'armes légendaire, maison des guerriers, défenseur de la foi. Vraiment plutôt pas mal. J'ai aussi débloqué certains des héritages ici militaires pour avoir l'avantage ici de plus 5. L'expérience. Ici on a débloqué pas de perte de prouesse avec l'âge et augmente les aptitudes avec l'âge, qui est vraiment pas mal. On gagne de temps en temps plus 1 en aptitude quand on a ça. C'est plutôt cool. Donc travaillons sur cette bataille. Dégâts n'ont pas encore commencé à infliger, ça y est, on est dans la phase de combat préliminaire. On a donc 12 jours pour les exterminer. 4900 morts le premier jour. Pareil le second. Ils ont déjà plus perdu la moitié de leurs troupes. Il nous reste 7 jours. Et le prochain, ça sera terminé, je pense. Alors, il reste encore 500 soldats. Et c'est un stack wipe. Voyons voir le résultat de la bataille. 49 000 pertes de leur côté, 600 d'une autre. Bien sûr, les champions et les chevaliers en armure qui ont fait le plus de dégâts. Suivi de très près par les arbalétriers. On va faire un petit screen de cette bataille parce que je trouve qu'elle est cool quand même. Ok, bon, on va aller affronter ces 7 000 hommes qui traînent ici. Du coup on a le 50% des batailles directes, vu qu'on a vraiment exterminé son armée en une fraction de seconde. Là c'est même pas la peine de regarder, en 2 jours c'est terminé. Ok. Donc on va partir assiéger tout ça pour terminer vite fait cette guerre. Alors on va laisser quand même une bombarde ici et eux vont aller à Constantinople. Et c'est de là qu'on va faire d'autres petits sièges. Alors, je suis au-dessus de la limite du domaine. Qu'est-ce que j'ai récupéré qui... que je devrais pas avoir, ça, par exemple. Hop. On va leur rendre. Et on peut continuer. Quelqu'un me fait chanter, c'est pas bien important. Ok, ça va un petit peu plus lentement parce que j'ai pas les deux régiments de bombarde, mais ça va assez vite quand même. Je pense qu'on a juste à assiéger ces deux sièges et ça devrait presque être terminé, peut-être un dernier ici ou là, et on récupérera tout l'empire byzantin, enfin une grande partie. Hop, les événements, on s'en moque un petit peu dans cet épisode, c'est la fin, on va pas subir les conséquences de nos choix. Le siège va être un petit peu long, 2 mois quand même ici, même avec tous les avantages qu'on a. Ok, on va siéger ici.
C'était assez de bataille, on s'en moque un peu. On a quand même perdu 44 soldats, même s'ils n'étaient pas très nombreux. Mais c'est aussi parce qu'on a des levées, je pense, qui sont liées à l'ordre sacré, qui nous amène 7000 levées. J'aurais dû m'en débarrasser pour faire encore plus de dégâts, je pense. On peut voir qu'entre-temps, j'ai réussi à accumuler énormément d'or. 137 000 en or, 32 000 en prestige, 7 000 en piété. On modifie le contrat féodal, ok, si elle veut. Ça ne me regarde pas. Plus que 17 jours pour ce siège. Ici, 21. Les armées françaises sont en train d'arriver. On va essayer de les affronter, ça pourrait être sympa. On va se rassembler par ici. On va attendre que celui-là termine. Si on n'est pas déjà à 100% en ayant la capitale. Qui est possible, mais non. On n'est qu'à 97. Donc on va aller affronter les armées françaises qui se dirigent vers nous. Pourquoi pas aussi les Byzantins qui se rassemblent juste là. On va voir si on peut les avoir les deux en même temps. Hop, on va remettre elle en commandant. On va attendre un tout petit peu, voir s'ils arrivent à se rapprocher. Ça nous ferait quand même 40 000 hommes à eux deux. Ça pourrait être sympa. Eux réalisent le siège en 4 mois. Ouais, on va voir ce qu'ils nous affrontent ou est-ce qu'ils vont renforcer. On va se positionner ici plutôt. Pour les forcer à aller avec les Français. Pas qu'ils nous attaquent. Ok, ils y vont. Donc nous aussi, on va pouvoir y aller. Très bien. 40 000 contre 20 000 soldats d'élite. Ça va être un véritable massacre encore. En plus, ils n'ont plus beaucoup d'approvisionnement. Ils ont un moins 10. Il va bien nous avantager. Et parfait, la bataille est terminée. 30 000 morts encore. Très bien, bah, c'était une guerre rapide, c'est pour ça que j'ai pas fait toutes les autres en vidéo, parce que c'était vraiment un peu répétitif de faire autant de guerres et tout se passer exactement de la même manière. En 2 secondes, on avait exterminé leur armée, il reste juste à faire 2 sièges et c'était terminé. C'est vraiment devenu trop puissant sur cette fin de campagne pour que ça reste intéressant. Et donc on va maintenant pouvoir appuyer toutes nos exigences qu'on a mis longtemps à fabriquer. Très souvent j'ai eu les revendications sur le duché hein, dans son intégralité, donc ce qui m'a pas mal permis de gagner du temps là-dessus. Hop, on peut appuyer nos exigences. Et c'est donc quasiment la fin de l'Empire byzantin. Ah, c'est dommage, il reste un tout petit bout ici qui fait pas beau. C'est pas cool, mais bon, on s'en contentera. Alors du coup, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a réussi à faire dans cette partie. Bon, bien sûr, on a toutes les innovations qui sont plutôt bien. Dans mon domaine, j'ai tout monté à fond. Chacune de mes baronnies a tous les bâtiments au maximum. Avec un petit spécial au chameau de combat qui donne plus 4 chevaliers. J'en ai 3 comme ça, je crois. Donc pareil, ici, tous à fond. Les mines qui sont à fond, qui rapportent 14 or par mois. On peut voir que c'est le plus puissant des bâtiments parce que les 3 endroits où j'ai des mines, je gagne 4 fois plus d'or qu'ailleurs quasiment. Sauf certaines qui sont pas mal développées en Italie. Dora aussi, donc Naples, c'est parce que le développement est assez élevé, 67, donc ça nous donne un gros bonus du développement comptable plus 33%, donc c'est vraiment pas mal. Il y en a qui se demandaient à quoi servait le développement, et ben ça sert à ça. Pareil, ici, ils sont tous mis. Vraiment, ah. Après, j'ai tous ces nouveaux domaines que je viens de conquérir. On va pas attribuer les titres ici, ça prendrait trop de temps. Il n'y a plus trop d'intérêt à faire ça. On prendrait peut-être le faire en dehors de la vidéo pour garder une sauvegarde bien propre. Donc, comme j'ai dit, on a bien tous les objectifs remplis. On n'a pas de sorcier au sang pur qui règne, mais bon, ça serait le prochain, déjà lui le serait.
Il a réussi à avoir des enfants même s'il était stérile, parce qu'on a pas mal de bonus, comme la magnifique qui donne un bonus de fécondité, l'assemblée des sorcières aussi. Mais en tout cas, sur trois générations, on est des sorciers au sang pur, donc objectif rempli. Les autres, on les avait déjà vus. On a atteint le maximum en érudition grâce à la grand-mère de Sogolon. Notre dynastie matrilinéaire a tenu le coup pendant quasiment. On a commencé en 867, donc on a joué quasiment 450 ans. Et en 450 ans, il y a juste un homme qui est monté sur le trône pendant 5 mois. Donc on peut dire que c'est une réussite au niveau de la lignée matrilinéaire. Bien sûr, là, mon fils, c'est lui qui héritera, mais on pourrait directement passer à trois générations en dessous si on voulait. Et on aurait Animata Dorasum qui régnerait en étant sorcière au sang pur. Si vous avez des idées pour les prochaines campagnes, des choses que vous voulez voir et tout, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord de la chaîne. Et vous pouvez proposer toutes vos idées de campagne. Le lien est dans la description, bien sûr. Vous pouvez aussi venir juste papoter si vous voulez, ou plein de petites choses comme ça. Et si... Oui, par contre, autre petite annonce, je vais plus faire de campagne aussi longue sur YouTube. 80 épisodes, c'est beaucoup trop long. Donc du coup, toutes les campagnes longues comme ça vont être passées sur Twitch. Et je stream le mardi et jeudi vers 16h30-17h. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour pouvoir ne pas rater les prochaines campagnes. La campagne actuelle, c'est Francocratia. On commence avec la France et on essaye d'obtenir tout le royaume de Thessalonique pour le Success Team. D'ailleurs, en parlant de la série qui a duré 80 épisodes, je vous remercie très chaudement à tous ceux qui ont suivi la série jusqu'au bout. C'était un très grand investissement de votre part et donc je vous remercie énormément pour ça. Ça fait énormément plaisir que vous ayez trouvé autant d'intérêt jusqu'à la fin. Même si ce genre de jeu peut être des fois un petit peu plus ennuyant à regarder que du Call of Duty ou d'autres jeux de ce genre. Du coup, ça va sûrement être un épisode un peu plus court aujourd'hui, vu qu'on a terminé cette guerre en 2 secondes. J'ai essayé de détruire, dissoudre la papauté. Mais même en ayant converti toute l'Italie. Oh, sauf ce petit bout en fait. Même en ayant converti toute l'Italie, là, j'ai pas eu la décision. Donc je pense que c'est en fonction de la religion aussi. Il faudrait qu'on ait la bonne religion pour faire ça. Je l'essaierai dans une autre campagne. Il me reste le succès à l'Andalouse à faire. Donc on pourra très bien dissoudre la papauté dans cette campagne. Ça pourrait être intéressant aussi. J'ai pris des petites notes. Donc je regarde si j'ai pas oublié de vous dire des petites choses dans ce dernier épisode. On peut regarder un petit peu au niveau du militaire. Qu'on a quand même une flopée de champions extraordinaires. Ils sont souvent de ma dynastie, donc c'est pour ça qu'ils ont autant de bonus. Voir quand même qu'ils sont imbattables, c'est aussi pour ça qu'on gagne aussi bien tous les combats. C'est qu'on n'a pas pour l'instant de. Ah voilà, on arrive enfin à un champion qui est à moins de 30. Et je n'ai pas compté combien on en a passé, mais j'ai au moins mes 10 ou 15 premiers champions qui sont au-dessus de 30, donc imbattables à ce niveau-là. Tous les bâtiments qu'on a construits, donc ça nous a permis d'avoir énormément de bonus sur les dégâts que nos régiments d'hommes d'armes font. Là, on peut voir 438% de bonus pour avoir construit les bâtiments. Donc c'est du domaine 438%. Sur les arbalétriers, on est à 340 et 136 pour les chevaliers en armure. Donc si vous vous posez la question de est-ce que les bâtiments militaires sont utiles, la réponse, elle est vite vue. Au niveau de la dynastie, on a 5000 membres vivants. Plutôt pas mal. 258 maisons. Il y en a beaucoup qui ont créé des branches cadettes, comme on peut le voir. Donc c'est plutôt cool ça. On termine avec une armée de 121 000 hommes. Donc plutôt cool aussi. Peut peut-être jeter un œil à l'historique de. Des dirigeants de notre pays. Pour ça, il va falloir retrouver le duché de Dora parce que sinon, on n'a pas la. Bah, si vous regardez l'historique de vos titres principaux d'empire, du coup, si vous n'avez pas commencé directement avec un empire, vous n'aurez pas le premier. Donc là, la première qui a forné
qui a fondé l'empire, c'est Soranyar, Soranya Nana, la mère de la lignée. Mais on n'a pas commencé avec elle, on a commencé avec Dorama, qu'on va aller voir tout ça. Ça va être compliqué à retrouver. On va plutôt faire par ici, vu que je sais où c'est sur la carte. Ça sera beaucoup plus simple. Donc le comté de Dora, historique du titre. Ok, donc on a bien Dorama de Gobir, de la maison Dora qui a commencé. Ensuite on a eu la magnifique Loran 1, qui elle a réformé la religion. Combien de dirigeants on a eu? 1, 2, 3, 4... je n'arriverai pas à compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est notre 16e dirigeante. Donc plutôt une partie longue. Il ne nous reste plus qu'une centaine d'années à jouer si on voulait terminer jusqu'au bout. Et ça va pas être le cas. Comme je vous l'ai dit, on s'arrête ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette campagne de choses intéressantes qu'on a fait? Plus grand chose, il me semble. Je crois que j'ai fait le tour. On peut regarder un peu tous les traits qu'on a. Donc toujours consanguinité ici, mais on l'a perdu la génération d'après, enfin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a réussi à avoir tous les traits. Ici, on est donc fort, rusé, stratège, administrateur, herboriste, festoyeur légendaire, connaissance du corps, chasseur, athlétique, femme sage. Plutôt une belle flopée de traits qu'elle a obtenu, cette Sogolon, l'érudite, comme sa grand-mère. Et puis voilà. Donc comme je vous l'ai dit, sur Twitch pour les prochaines campagnes. Et encore merci à tous d'avoir regardé la série. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Pour l'instant je vais plus travailler sur les tutos pour la chaîne YouTube. Prochains qui vont sortir cette semaine normalement, si tout se passe bien. Et donc si vous avez aimé la série, pensez à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et si vous avez regardé les 80 épisodes, vous pouvez peut-être penser à vous abonner à ce niveau-là. Franchement, ça vaut le coup de s'abonner quand on a regardé 80 épisodes. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des campagnes. Je vous prépare une campagne ultra difficile avec un des départs les plus durs de Crusader Kings 3. Je suis en train de la préparer, donc je ne peux pas encore vous dire ce que c'est, mais ça va être une très belle campagne. Ben voilà, j'ai tout dit, je pense. Donc je vous dis maintenant au revoir.